une cause d'éducation pour tous et une cause d'équité dans l'éducation. Alors, ANFEN, c'est Adolescent Non-Formal Education Network, un réseau de 20 centres de formation à 20 jeunes qui n'ont pas réussi la fin de cycle primaire, pas réussi CPE. Et je t'apprends de l'âge de 12 ans à 16 ans, apprendre à lire, écrire et calculer. Et nous travaillons l'employabilité, nous travaillons le comportement et nous donnons un accompagnement psychosocial qui est super important afin que ces jeunes-là soient capables de surmonter cette réalité sociale, afin d'être capables apprendre et intégrer dans la société par la suite. Beaucoup de tous les jeunes, ils ont une condition. Ils sont capables de dyslexique, ils sont capables de dysgraphie, dyscalculie, ils sont capables d'ADHD, ils sont capables d'un paquet de difficultés qui jamais finissent diagnostiquées que ces enfants-là, si dans l'école primaire, entre FES et CPE. L'école de cuisine ici nous offre un examen. Pareil comme l'école hôtelière qui peut sanctionner par l'État. Moi, j'ai absolument beaucoup d'espoir dans sa catégorie de jeunes. Qui n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas réussi parce qu'il n'a pas envie de réussir. C'est pas qu'il n'est pas réussi parce qu'il est paresseux ou qu'il est bête. C'est que ces enfants-là n'ont pas réussi parce qu'ils sont en condition pas de fine détectée et qu'ils n'ont pas donné une éducation adaptée. Faire qu'ils aient découvert cette passion, aient découvert ce talent. Et là, ils commencent à réaliser, mais finalement, moi, dans la vie, moi, dans this, l'école, bon, l'école, dit que je ne peux pas réussir. Aujourd'hui, avec mon main, avec moi-même, avec mon capacité, je peux réussir, ben, produire un plat intéressant et qui dit que c'est extra bon. Ben, même si je suis sorti de bonnes conditions modestes, mais je suis capable de gagner une chance égale. Et que je suis capable de faire le cheminement, ben, peut-être un peu plus lentement que d'autres au départ. Et qui après, je suis capable de dépasser les autres. Et c'est intéressant, c'est le coût de la vie, mais quand vous gagnez les meilleures chances, vous êtes capable de faire une grande différence. Mais le message, c'est de croire et d'investir dans ma organisation, dans ma action, dans ma cause qui peut accompagner la jeunesse, qui peut accompagner les gens qui n'ont pas les mêmes chances que les autres. Même en tant que population, c'est de croire dans les personnes pauvres, mais de croire dans une stratégie d'accompagnement des personnes pauvres. Il ne suffit pas juste de donner de la charité. Il suffit de pouvoir accompagner des organisations professionnelles afin que cette organisation soit capable de faire beaucoup plus de différence et il a beaucoup plus d'impact social à Maurice.